C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est la fête, c'est la fiesta, c'est la célébration. Il est écrit, réjouissez-vous toujours, toujours dans le Seigneur. Allons dire à Jésus seul, soit la gloire. On va chanter le numéro 95, section Mélodie joyeuse en français. On dit à Jésus seul, soit la gloire. Tu m'aimes, Jésus, tu me tiens en ton cœur. Oh, et je suis heureux de t'avoir pour sauveur. Alléluia, Jésus m'aime. Alléluia, amen. Alléluia, Jésus m'aime et j'aime. Tu aimes Jésus, tu me tiens en ton cœur. Oh, que je suis heureux de t'avoir pour sauveur. Alléluia, Jésus m'aime. Alléluia, amen. Alléluia, Jésus m'aime. Et j'aime Jésus, oui, tu m'as sauvé. J'avais pas à ton nom, et de tous mes péchés, j'ai reçu le pardon. Alléluia, Jésus, alléluia, alléluia, Jésus, le détail de mes vies. J'attends du bien, que me faut-il de lui. Alléluia, Jésus, alléluia, alléluia, Jésus, et j'aime Jésus. Mais puisqu'elle m'attend, vers ce séjour de paix, viendrez-vous avec moi pour régner à jamais. Alléluia, Jésus, alléluia, amen. Alléluia, Jésus aime et j'aime. Alléluia, alléluia, Jésus aime. Alléluia, amen. Alléluia, Jésus aime et j'aime. Alléluia, alléluia. Thank you.
certaines circonstances. Disposons-nous pour la prière d'invocation, s'il vous plaît. On se ferme les yeux avec le cœur disposé devant le Tout-Puissant. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père céleste en Jésus-Christ, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi, à ton sujet, les Saintes Écritures rapportent que tu es le seul vrai Dieu, le Dieu merveilleux, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, le Dieu tout-puissant, toi qui fais tout ce que tu veux, toi qui n'es point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais qui domine sur tous les règles qui existent. À toi seul la gloire, l'honneur, la louange, la majesté, la sagesse, la force, la domination. Toi qui es l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. Toi qui es le Dieu de sainteté, le Dieu d'amour et le Dieu de justice. C'est à toi que nous élevons, Seigneur, notre voix cet après-midi. Seigneur, pour te dire que tu es grand, tu es merveilleux, et tout ce que tu as fait demeure un défi, Seigneur Dieu, pour l'homme adorable Père qui est doté d'une grande intelligence. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur pour Jésus-Christ, que tu as partagé avec nous, qui est notre Sauveur. C'est lui qui s'est livré à la mort ignominieuse pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous rapprocher de toi et pour faire de nous tes enfants bien-aimés. Merci pour le salut que tu as donné à notre sœur bien-aimée chérie, Stéphane d'Orsini, et à notre frère bien-aimé chérie également, Emmanuel Morissette, deux jeunes chrétiens de l'Église qui bénéficient de témoignages honorables et dignes par la grâce qu'ils ont reçue, non seulement de la part de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, mais de la part, Seigneur Dieu, des encadrements qu'ils bénéficient de notre Père spirituel, Amen la Fleur. Cet après-midi, nous sommes contents d'être ici pour te glorifier et pour honorer ces deux jeunes qui ont gardé leur dignité chrétienne et leur dignité humaine, qui ne se sont pas livrés à la débauche et au désordre. Merci Seigneur pour cette bien-aimée, puisque nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire et absolument rien. Nous te demandons de prendre le contrôle absolu de cette cérémonie nuptiale pour, Seigneur, répandre ta grâce bienveillante, tes bénédictions liées, Seigneur Dieu, au mariage, cette institution que tu as fondée et qui a sa place parmi la race humaine. Seigneur, merci de nous avoir fait comprendre l'importance de cette institution. Seigneur, nous te demandons au nom du sang versé de Jésus-Christ de lier les esprits méchants, les esprits impurs, tels que Ezuli Freda, Ezuli Nathan, Ezuli criminel, tels que Ogou Ferraille, tels que Paola Croix, tels que Dambala Trois-Têtes, Dambala Sept-Têtes, Dambala 21 têtes, Dambala 50 têtes, qui sont des esprits impurs et méchants à la fois,
Seigneur, qui ont planifié le concubinage et la prostitution aveugle pour Seigneur bien-aimé. Enfin, le filet s'est rompu et ils se sont échappés. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance. Réponds ta grâce sur cette cérémonie nuptiale. Réponds, Seigneur, tes riches bénédictions sur ton église. Seigneur, et nous te demandons, s'il te plaît, de toucher les cœurs inconvertis, les cœurs rebelles, Seigneur, qui viennent d'assister à ce mariage cet après-midi, qu'ils comprennent, Seigneur, exactement le sens ou la leçon, Seigneur, de cette cérémonie en l'honneur de cette jeune femme. Après cette cérémonie, qu'ils réfléchissent et qu'ils prennent la bonne décision, la meilleure décision. Question de livrer leur vie à Jésus-Christ pour, Seigneur Dieu, qu'ils bénéficient la lumière, le bon sens et la raison pour avoir un nouveau but pour la vie. Bénis-nous cet après-midi. Conduis-nous cet après-midi. Nous savons même si la présence physique de notre Père spirituel, il n'est pas là. Tu connais, Seigneur Dieu, eh bien, ses responsabilités, ses préoccupations, mais son esprit est avec nous. Son esprit est bien vivant au milieu de nous. Eh bien, nous savons que tu ne vas pas nous laisser parce que tu nous as promis d'être avec nous. Là, deux ou toi sont assemblés dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bénis-nous une fois de plus et dans ta grâce, et manifeste ta présence en nous et au milieu de nous. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus qui vit et règne au Seigneur. Amen. Pasteur Daniel, nous référons à Pasteur Clésie dans la lecture de la parole. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ vous soient quotidiennes. Nous trouvons notre lecture en cette circonstance au premier épître aux Corinthiens, chapitre 13e, les versets 1er jusqu'au 13e à l'ordre de Dieu. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou qu'une cymbale qui bruit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science en détruit les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter la montagne, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle plus d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour.
Que Dieu bénisse cette portion de cette écriture pour l'édification commune de vos âmes.